Quels sont les symptômes courants de l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle, également connue sous le nom d'hypertension, est souvent qualifiée de « tueur silencieux » car elle ne provoque généralement pas de symptômes visibles. Cependant, certaines personnes souffrant d'hypertension artérielle peuvent présenter certains signes ou symptômes. Ceux-ci peuvent inclure 1. Maux de tête. Bien que les maux de tête soient courants et puissent avoir diverses causes, certaines personnes souffrant d'hypertension artérielle peuvent ressentir des maux de tête persistants, en particulier à l'arrière de la tête. 2. Étourdissement ou étourdissement. Des sensations d'étourdissement ou d'étourdissement peuvent parfois être associées à une hypertension artérielle, en particulier lors de changements brusques de posture ou de position. 3. Vision floue. L'hypertension artérielle peut affecter les vaisseaux sanguins des yeux, entraînant une vision floue ou même des modifications de la vision dans les cas graves. 4. Douleur thoracique. Une douleur ou une oppression thoracique peut survenir comme symptôme d'une crise hypertensive, qui est une augmentation grave et potentiellement mortelle de la pression artérielle. Consultez immédiatement un médecin si vous ressentez une douleur thoracique. 5. Essoufflement. Des difficultés respiratoires ou un essoufflement peuvent être associés à des niveaux de pression artérielle extrêmement élevés, en particulier lors d'une crise hypertensive. Il est important de noter que ces symptômes ne sont pas spécifiques à l'hypertension artérielle et peuvent être causés par d'autres problèmes de santé sous-jacents. De plus, de nombreuses personnes souffrant d'hypertension artérielle ne présentent aucun symptôme. C'est pourquoi des contrôles réguliers de la tension artérielle sont cruciaux pour la détection précoce et la prise en charge de l'hypertension. D'autant plus qu'elle constitue un facteur de risque important pour diverses maladies cardiovasculaires. Si vous pensez souffrir d'hypertension artérielle ou si vous êtes préoccupé par votre tension artérielle, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour une évaluation et un diagnostic appropriés.